J'essaye de réfléchir comment je pourrais tourner ça, mais c'est pas évident. Ouais, tu m'étonnes. Parce que là, en fait, j'ai une idée. Mais est-ce que ça va aller, mon idée? C'est ça le problème. Et là, le problème, c'est qu'on peut pas. Enfin, tu me diras si je pourrais te le montrer, c'est pas le souci. Oh, quoi que si, ouais, je peux faire ça comme ça. Ouais. Je peux faire ça comme ça. Ouais, je vais faire ça comme ça. Je n'ai pas le choix de toute façon. Voilà. Ouais, je vais faire ça comme ça. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis de dans le pire des cas, de toute façon. Tu pourrais toujours le modifier par la suite. Ouais, voilà. Merci, j'étais en train de chercher le mot en plus. Je commence à plus savoir parler, tu sais. Va falloir que je retourne à l'école pour apprendre le français. C'est vraiment n'importe quoi là. Après, tu vas me dire hein, qui maintenant de nos jours sait parler correctement la langue française. Moi, je connais une personne. Toi. Tu sais bien parler le français, toi, alors. Ah ouais, hein, ouais. On rigole, mais. C'est. Ouais. Bon, mine de rien, ça va. Ça fait pas cloche. Je pensais que ça allait faire plus cloche que ça, mais non, ça va. Honnêtement, ça va, ça passe. Après, ça va dépendre des goûts, quoi. Comme dirait Silla, ça va dépendre du goût du juré. Du jury. Waouh.
Ça se dit du juré. Jury, ouais, mais du juré, je Si, savais pas que ça ça se se dit. disait. Si, ça se dit. Là, pour le coup, je sais parler français. Si. Alors moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire juré. Hein, si, ça se dit. Un juré. Ne dis pas non plus que je sais pas parler français. Attention Elvis, tu files du mauvais coton. Attention. Bon, Comme disons que disons que ton français rouille un petit peu, disons. Enfoiré. Je le sais, j'y avais pas besoin de le dire. Ah mais je le dis quand même. Je le dis quand même. Voilà. Là, Bon ouais, ben. là, ça fait un peu plus français, là. En plus, il se fout de ma gueule en plus. J'en reviens pas, quoi. Il n'y a même plus de respect là. C'est. Le respect, il est mort. Bon ben ouais, franchement, je pensais que ça allait faire un, tu sais, que ça allait faire un truc assez cloche. L'idée que j'ai eue, mais pour finir, ça passe. C'est. Disons que ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Façon, c'est sûr qu'il n'y a pas mieux que pire, mais. Voilà quoi. Enfin, si, il y a mieux que pire, mais. Là, dans le but, il n'y a pas pire que mieux, quoi. C'est déjà un peu plus français, ce que j'aime bien. T'as rien entendu à lui, ça. Hein. À peine, à peine. Alors, du coup, ici, je vais mettre un piqué aussi, hein, tant qu'à faire. Servira également de. Pardon. C'est de nature, c'est de nature. Qu'est-ce que c'est long en vrai de modifier un bazar de A à Z? Parce que là, en fait, je suis en train de modifier la maison. Hein. Timitan. Mais quand je dis modifier la maison, Elvis, je crois que t'es pas prêt. C'est vraiment mon petit chou. C'est parce que bon, je te le montrerai bien, mais c'est. Si je te le montre, après, t'auras pas la surprise. C'est ça le Bah c'est problème. sûr. Puis c'est mieux d'avoir la surprise. Ah bah largement. Mon petit chouchou. Faut que je fasse mes modifs aussi au rez-de-chaussée parce que ça va concerner le rez-de-chaussée et ça va m'aider par la suite. Donc il faut que je fasse la modif en même temps. Je suis en train de gérer deux étages en même temps, c'est galère. C'est vrai M'étonne. en plus. Je m'occupe de deux étages en même temps, mon gars. Allez hop, quel maçon aujourd'hui arrive à faire ça? Personne. C'est à peine si un maçon arrive à s'occuper d'un étage, alors tu sais. En vrai, je suis le meilleur des maçons, mon gars. T'as besoin d'une maison à faire avec plusieurs étages d'un coup, tu m'appelles, mon gars. Il n'y a pas de souci. Avec moi, t'es sûr d'y arriver. Du coup là, voilà.
Là, je suis en train de rehausser tous les piliers. À mon avis, tu risquerais d'avoir fini avant moi, Elvis, ta maison, je pense. Peut-être. Parce que là, vu comment je suis parti pour le... Parce que là, je suis complètement en train de modifier la maison. Hein. Tu vas voir après la maison dans quelle allure je l'ai modifiée, tu vas dire, ah putain, ouais, tu t'es carrément... Parce que là, j'ai carrément modifié la baraque, hein. Ah ouais, n'imaginons pas. À tes amours. Merci. Ah bah punaise, je ferai ouf une fois avoir terminé. Ah bah ça, je suis bien trois. Oh. Ah. Enfin, même en week-end, faut qu'on fasse chier. J'hallucine. Putain, il était pratiquement 21h30. Déjà ? Ouais. Putain. Eh, ça passe vite, hein. Bah ouais. Nickel, bon. Qu'est-ce que c'est long à modifier pour... Voyez, j'ai enfin terminé. J'ai enfin terminé la modif. Ah, puis moi j'ai pas encore fini, hein, je le dis. Ah ouais, de même. Bah après le truc qui va être bien, c'est que si admettons on veut faire une survie après sur la map, nos maisons elles seront déjà créées. C'est sûr. Ah mais non, on va être voisins mon gars. Ah punaise. Ouais, faut que je prenne comme ça je pense. Alors attends.
Alors attends, parce que là il faut que je fasse comme ceci. Voilà. Nickel. Alors du coup. Pourquoi j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des fleurs et tout? Ça peut être possible qu'ils ont rajouté ça. Ça peut être possible. Ah, maintenant ils ont rajouté aussi des trucs de générateurs de monstres. Waouh. Histoire d'avoir un petit peu d'éclairage. Nickel. Là, j'ai de l'éclairage à gogo, mon gars. Celui qui me dit qu'il n'y a pas d'éclairage là, il en aura jamais. Hein. Tu m'étonnes? Ah, punaise. Je serais capable de lui dire quoi, il n'y a pas d'éclairage, ben je vais t'en foutre moi s'il n'y a pas d'éclairage. Le mec violent, tu sais. Ah, il n'y a pas d'éclairage, tiens, s'il n'y a pas d'éclairage, tu veux voir. Dire que ouais, putain, pourquoi je suis parti sur un truc aussi complexe? Ça, y a que toi qui peux répondre à cette question là, Dylan. Ouais, je sais, mais là je suis vraiment parti sur quelque chose de complexe. Attends, je vais passer la nuit, moi, parce que personnellement, ça me saoule d'avoir la nuit. Hop. C'est une bonne idée. Nickel. Ouais, franchement, ouais. Ouais, bah tant pis, viens voir. Attends. Je finis un petit truc vite fait. Vas-y, vas-y, vas-y. Regarde le truc complexe que je suis parti. Regarde, tu vois. Attends, ici j'étais comme ça. Attends, il faut que je trouve où tu es. Je suis là, regarde. Derrière toi. Ah ouais. Regarde. Tu vois, je suis parti sur un bloc de décalage par rapport au rez-de-chaussée. Ouais, ça je l'avais remarqué. Et dis-toi que je vais faire ça à chaque étage. Donc c'est-à-dire qu'après cet étage-là, je vais encore décaler de 1. Et ainsi de suite. Ah ouais, toi tu pars franchement sur un truc compliqué, toi. Ouais. Et regarde comment que j'ai parti là. C'est vraiment n'importe quoi. Regarde, je suis même pas centré. En fait, si tu veux, regarde par rapport en bas, tu vois, ouais. Je suis parti à un bloc ici, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes en haut, je suis même pas. pas du tout. Ah, c'est fort. C'est vraiment n'importe quoi. Je suis parti sur un truc, laisse tomber. Ah, trop fort. Ah ouais, non, là, franchement. T'en es où, toi?
du Bah si tu coup. veux, tu peux aller jeter un coup d'œil si tu veux. Ouais. Faut que je voie ça. Ah oui! Ah ouais, toi, t'as bien avancé, toi. T'as déjà meublé l'intérieur? Ah non, ouais, Ah non. non, ça je te rassure. Ouais, franchement, bien. Et après l'éclairage que Bien. tu vois au centre, après ils vont disparaître. Je vais remplacer Ouais, par non, mais d'autres ça, je systèmes me doute, ouais. d'éclairage. Ah, tu l'as mis là, ton entrée, ok. Bah, il y a encore... Ça c'est l'entrée pour le deuxième côté du jardin. Bah, ton entrée principale, elle est où? Elle est par là? Elle est là. Elle est là? Ouais, elle est là? Ah ouais, d'accord, carrément, tu vas faire un aller ou quoi, en gravier ou quoi. Ouais, je suis parti sur un truc comme ça. Ok, d'accord. Donc là, du coup, c'est ton premier étage, ouais. Bien, bien, bien. Donc du coup, tu vas vraiment partir sur quelque chose d'énorme aussi, toi. Ouais. Enfin, ton truc, après, ça va, c'est simple, encore. Ouais. À côté de la construction où je suis parti, moi, c'est complètement plus complexe. C'est sûr. Je crois que tu serais sur ma construction, tu pèterais un câble. Au bout d'un moment, j'en aurais marre, ça c'est sûr. D'après toi, pour l'instant, qui est-ce qui gagne? C'est serré, hein, je trouve. Ouais, ça reste encore assez serré encore. Et je pense que ça va plus se jouer sur la décoration, je pense. Ouais, je pense, ouais. Parce que, après, il faut dire aussi que toi, niveau décoration, t'as quand même des bonnes idées aussi. Après, moi, j'en ai. C'est. Ouais, après, savoir, ça va peut-être se jouer sur la complication aussi, hein. Ouais. Parce que, de toute façon, faudra le dire à Christophe qui regarde pas forcément que. Mais qui regarde le détail, qui regarde Ouais, qui la regarde tout. décoration, un peu de tout, quoi. Parce que là, quand tu te mets là comme ça, ouais. Après, bon. Faut dire que moi, j'ai l'avantage pour l'instant. Parce qu'il y a du détail. Toi, Ouais. après, il y en a. Mais c'est Mais pas surtout encore. cubique. Ouais. Ouais. Donc pour l'instant, je marque le point, on va dire, entre guillemets. Ouais. Pour le moment, c'est plus toi qui le remporte pour le moment. Ouais. Après, ça dépendra au niveau décoration intérieure, extérieure. Ouais, ça. Je crois que le pauvre, il va être paumé, je crois, si on Ah, demande ça à Christophe. ah, Il c'est va sûr. avoir du mal. Ah ouais. Mais après, on part à Christophe, je veux qu'on demande à qui, c'est ça le problème, quoi. Ah là, pour le moment, il n'y a que Christophe pour le moment. Après des trucs comme ça, tu peux le faire en vidéo aussi. Tu m'étonnes? Tu demandes à tes abonnés ou quoi de voter quelle est la meilleure maison. Tu Tu vois. m'étonnes? Xena, on se calme, s'il te plaît. Ouais. Après, moi, franchement, là pour l'instant, tu me mets comme ça. Tu me demandes de choisir. Ouais. Par rapport aux détails, je prends la mienne, mais par rapport, tu vois, à la maison en elle-même, je sais pas laquelle choisir. Tu m'étonnes. Je pense que toi, c'est pareil. Ah, ça reste encore difficile encore. Ouais. Je crois qu'il faut encore attendre encore qu'il y a plus de détails et tout pour Ouais. savoir qui franchement va le remporter quoi. Ça va être chaud. Ah, ça reste encore chaud. Hein? Là, on est entre deux bons constructeurs. Ouais. Qui est-ce qui va tenir sur les derniers, sur les poteaux? Tu sais, comme à Koh-Lanta, les deux derniers à rester sur les poteaux. Ouais, là ça va être dur. Ah là, ouais. Non, mais franchement, ouais. Après, toi, t'as déjà posé tes vitres. Ouais. Moi, je les ai pas encore posées. Les portes, elles sont posées pour toi. Moi, elles ont mis à quoi, rien du tout, quoi. Ouais, moi je poserai tout à la fin. Je fais d'abord la maison, après seulement je poserai vitres par étage une fois que ce sera construit et tout quoi. Bah tu m'étonnes. Je trouve que ça va plus vite. Oh ça Après je veux bien bon, croire. ah j'ai. Ah t'as pas encore posé les murs avec les trucs Allez. pour toi faire les vitres et tout au premier étage toi. Non pas encore. Ah ouais, Que toi je suis t'as déjà déjà parti. commencé. Ouais.
Donc c'est pour ça que toi, t'as encore plus de volume que moi. Voilà, je suis juste en train de faire le sol pour le deuxième étage. Pour le premier étage, tu veux dire? Ouais, pour le premier étage. Ah, parce que le deuxième étage, Ouais, j'ai fourché. voilà, le deuxième étage, tu serais encore plus haut que moi. Hein. C'est sûr. Non, mais je sais pas. Après, toi, quand tu regardes, ouais, tu vas galérer toi aussi. C'est sûr. Pourquoi ça moi comme le jardin il va être immense, je vais fortement galérer. Ouais, parce que toi, ça va démarrer. Allez, admettons, même si tu démarres de ce coin-là de ta maison, tu vois, tu vas partir par exemple faire un truc du genre comme ça, tu vois, grosso merdo, tu vois, Ouais. qui va arriver à peu près, je dis bien à peu près, hein, même si c'est pas là, mais admettons, tu vois, jusque-là, tu vois, ça fait déjà quelque chose de potable. Ah ouais. Surtout si en plus tu gardes les lacs qu'il y a là, ça, tu peux rajouter des cannes à sucre, des trucs comme ça, tu vois. Ah ouais, bah c'était à l'étude que je conservais ça. Et je suis en train de deviner tes plans, vas-y, je me casse. À ton avis, pourquoi je me suis mis là? Ouais, non, mais je suis en train de deviner tes plans, en fait. Tu vois? Ça, c'est Ouais, parce mais que je suis trop bon, ça. t'as pas encore le truc totalement fini encore. Non, mais je veux dire, je devine petit à petit ton plan. Tu vois, c'est ça le problème. Après, ouais, c'est. Ouais. À voir, ça va rester à voir par la suite. C'est sûr. Pour l'instant, on peut pas encore définir de vainqueur. C'est sûr, là ça reste encore plus ou moins encore assez serré. Ouais. Même déjà, si nous, déjà, on n'arrive pas à se noter, Christophe, il va avoir du mal aussi, je pense. C'est sûr. On verra après, hein. Ouais, tu Parce m'étonnes. que je pense que la taille du. En fait, ça va être. Ouais, je pense que ça va être joué surtout sur la taille de. La taille de. Des maisons, du terrain. Ouais. Après, le terrain, il va falloir l'aménager et tout aussi, donc ça va être galère. Ouais, tu m'étonnes. Ça va être galère. Enfin, après, ça à voir. Ça va rester à voir. Moi, après, c'est pareil, niveau du terrain, je vais galérer aussi. Ah, tu m'étonnes. Parce que regarde, viens voir. 2 secondes. Tu vois, regarde, ici, ça va encore. Mais ça va être surtout, tu vois, à ce niveau-là. Avec le petit. Avec la rivière. Ouais. Ah, Après, ça je va être peux. compliqué. Après, je peux très bien incorporer un morceau de rivière, tu vois. Faire un système de ponton ou quoi, tu vois. Ouais. Ou Je pense que. alors après, tu essaies de garder un petit morceau de la rivière, faire tu sais, une espèce de barrage et de faire une espèce de petite piscine ou un truc du genre, tu vois. Ouais, et puis même ici par exemple à ce niveau-là, faire un pont qui rejoint directement à ce niveau-là ou quoi, tu vois. Ouais, faire l'espèce de petit pont là et de faire le jardin de ce côté-là. Ouais. Et je peux même encore faire un petit bout de jardin à ce niveau-là aussi. Ouais. En vrai, je pense qu'on est bien placé. Dans le sens où on a sélectionné un terrain sans le savoir, et je pense que ça va être compliqué après à gérer. Là, ouais. Et en plus, c'est des terrains qui a du potentiel, donc c'est l'idéal. Ouais, voilà, c'est ça le problème. C'est exactement ça. Et Et après, je pense. il faut bien s'en servir en même temps. Ouais, voilà, ben après, en fait, il faut faire fonctionner son imagination. C'est sûr. Mais je pense que toi comme moi, hein, on va galérer l'un et l'autre, je Ah, pense. c'est sûr, on va énormément galérer. Hein? Là, je crois qu'on a pris quelque chose de gros là. C'est sûr. Mais je crois que quand Christophe il va voir ça, il va dire: Oh, oh ouais, putain! Il risquerait de dire: Hé, les gars, je peux reprendre ça pour faire mes constructions? Ah ouais, vas-y, amuse-toi.
Il va bien en chier. Ouais. Je pense aussi, ouais. Bah, déjà pour ta construction, il risque d'en chier. Mm. Mais moi, avec ma construction et sans les plans, et avec tous les détails qu'il y a déjà, je crois qu'il va autant galérer, même peut-être un peu plus que toi. Ah ouais. Niveau détails, je pense qu'il risquerait de galérer. À large. Parce que quand tu. Je sais pas si t'as déjà remarqué, mais niveau détails, je suis assez. Assez bon dans le détail. Ouais. C'est normal qu'il y ait un habitant. Ouais. Un habitant vert. J'ai un shroom vert. Je lui mets un coup de bloc. Regarde, je te le ramène. Petit chouchou, viens de bouffer du vide dans ta gueule. T'es chez moi, dégage. C'est une propriété privée, dégage. C'est une propriété privée. Voilà, ta morue, c'est bien. T'as un bon gamin. Ah, putain. Ah là là là. Bon, ben, je vais retourner à ma construction, mais c'est compliqué. Bon, j'essaie de rattraper mon coup dans le sens où, déjà, si j'arrive déjà tout au moins. Merde. Là. Ouais. Je pense que je vais partir sur du 3. Ici. Ouais, je pense que là déjà, c'est déjà un peu mieux. Parce qu'après, quand ça fait des trucs assez centrés, ça fait bien, hein, je trouve. Ah ouais. Après, c'est ce qu'il faut, faut que ce soit centré, sinon ça sert à rien. Ah, tu m'étonnes. What? Ok, je me suis complètement trompé. Hein, j'aime bien comment j'ai dit je me suis complètement trompé. c'est un peu chelou quand même. Hein. Tu m'étonnes. On aurait dit que j'étais en train de bugger. attends. Ah oui, d'accord, ok, non. En fait, je me suis encore complètement gouré, comme d'hab. On sauve pas une équipe qui gagne. Voilà. Bah après, c'est... En fait, c'est la construction qui est complexe que j'ai fait. Hein. Mm. Ah ouais. Alors lui, pour être con, il est complètement con. Il y a un Enderman, il m'a regardé et il est tombé dans le vide. Waouh. Trop fort. Ah ouais, là. Normalement, comme ça, je suis bon. Ouais. C'est nickel. J'ai rattrapé mon erreur, mon cher Christophe. Wow. D'habitude, ça. Mon cher Elvis. Ça, c'est l'habitude, ça. C'est l'habitude. À force d'être avec Christophe, bah, au lieu de dire Elvis, je dis Christophe. C'est complexe. Ouais. Voilà.
Ouais. Oh putain, je suis... Waouh. Tu sais que la maison que je suis en train de faire, Elvis, Ouais. elle me donne d'autres idées encore pour l'améliorer. Ah ouais? Ah ouais. En vrai, ça va être une maison, mais la Sans fin. maison, ça va être... Ouais, voilà, ça va être une maison, tu vas te paumer dedans, mon gars. Tu sais quand est-ce que tu vas rentrer, mais jamais quand tu ressortiras. Pas où je suis parti, Elvis, mais je suis parti là. Ouais, là, t'es parti loin même. Ah ouais. Ouais, je pense que honnêtement, hein, mais je crois que toi, t'aurais fait la maison que je suis en train de faire, t'aurais dû arrêter depuis longtemps. Peut-être. T'aurais dit, vas-y, c'est bon, j'en ai ras le cul, mon gars, c'est bon. J'ai eu ma dose. Le problème après, ça va être pour l'aménager. Putain, ça va être chaud. Tu m'étonnes? Moi, ma maison pour l'aménager, je vais galérer, mon gars. Ouais, tu L'extérieur m'étonnes. encore, ça va aller. Je peux faire des espaces vides ou quoi. Et puis mettre des fleurs, tu sais, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Mais l'intérieur, mon gars, je vais m'arracher les cheveux. Tu m'étonnes? Quand tu vois la taille qu'elle va faire, mais c'est même plus un. De base, tu vois, j'étais parti sur un manoir, mais c'est même plus un manoir le truc. Ça va être un palace. Tu m'étonnes, un hôtel 4 étoiles là. Et Cor, un hôtel 4 étoiles, t'es encore trop gentil. Mais là, en vrai, je crois que la construction, on est parti pour faire un bail. Je crois que c'est pas demain la veille que Christophe il pourra noter. Hein. Tu m'étonnes. Il pourra noter, mais dans 6 ans. Non, je déconne, mais. Moi, perso, je crois que j'étais un peu haut là dans la construction. M'étonnes. Ouais, je pense que ouais. Je devais refaire un étage, mais je pense que déjà là, je pense que ce sera pas mal. Le rez-de-chaussée plus le premier étage, non? Ouais, après si tu fais un grenier après ça fera un peu volumineux. Parce que si je rajoute un deuxième étage supplémentaire, putain, mais ça va faire énorme. Ouais, après pour la décoration tu vas en chier quoi. Ouais.
Après, en chier, ouais, non, parce que bon, on peut toujours trouver des trucs pour décorer, mais ouais, ça va être immense, quoi. Attends 2 secondes. Ouais, non. Non, ça, honnêtement, je vais pas le faire parce que là, ça va faire trop gros. Je suis parti sur une idée vraiment énorme. À ce point-là? Ah ouais. Et je vais déjà en rajouter un. Alors là, si je fais ça, ça va me faire en rajouter deux. Là, je crois que c'est même une... À la fin, j'aurai plus une note. Ce sera un agenda, mon gars, que j'aurai de notes. Sur un mix de plusieurs, je sais pas si t'as fait gaffe, mais il y a plusieurs blocs en plus. Ouais, j'avais fait gaffe. D'ailleurs, il y a un... je viens de remarquer, mais j'ai fait une grosse boulette. Imaginons pas. Ah ouais, non, là, j'ai fait une énorme boulette. Enfin, c'est pas grave non plus, hein. C'est pas... voilà, ça n'enjambe rien, mais j'ai oublié un truc que j'aurais dû ne pas oublier. Pour les constructions, ça va être coton sinon. Voilà. What? L'Enderman t'ira bien te faire foutre. Je t'ai pas dit de poser un bloc. Putain, je te jure, les Enderman, c'est vraiment des trucs de merde, ça. Tu m'étonnes? Ça te pose des blocs au calme et ça se casse. Oh! T'as encore un nouvel habitant? Comme d'hab. Je viens de le voir en regardant de mon côté. Le problème, c'est que je le vois, tu sais, dès que je me retourne, donc c'est chiant. Ta construction. Tu m'étonnes. Mais bon, là, je peux pas faire autrement. C'est là qu'est le problème. Bon, après, tant pis, je vois. Hein. Sans au bout d'un moment, tu vas tomber sur ma construction, tu vas la voir aussi. Ah ouais. Si tu sais. J'ai envie de te dire, ça ne changera rien. Alors. Après, voilà.
construction de malade. Pourquoi je suis complètement malade? À ce stade-là, ça me fait de la maladie. C'est être dingo. Alors Marc, tu me diras, je crois qu'il y a beaucoup de monde à ma place qui craquerait. Tu m'étonnes. J'aime bien parce que des fois tu regardes des tutos sur tu sais, de maison ou quoi. Ouais. Puis t'en as, ils font avec leur construction. Oh ouais, c'est une construction trop grosse que je suis en train de faire et tout, ouais. Tu m'étonnes. Bah tu verrais mes constructions, je crois que t'as plus de cheveux, mon gars. Tu te mets à la retraite directe. Ah mais je rigole, mais il y en a, ils font rire quand même, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Faut se dire qu'il y en a, ils font des constructions plus gros que les tiennes, mais faut qu'on être complètement dingo. Parce qu'après, faut les... Ben, si tu dois les décorer, ben, faut les décorer, quoi. Ah ouais? Pas la même chose. Ouais, j'ai un souci là. Attends. Ah oui, pas mal. Alors, ouais, non, mais what? Ouais, y a un bug dans l'os, c'est pas possible. Tant pis. Elvis, j'aurais besoin de tes lanternes. Bien sûr, tu es où? Au niveau de là, regarde devant toi. Je vais t'en jeter là ici. Non. C'était pas du tout ça. Ah, j'ai mes yeux. Ouais. Ah. Excuse-moi. Je t'avais mal compris, excuse-moi. Oh putain, elle est magnifique, celle-là. J'ai besoin de tes lanternes, le mec il vient, il me jette des torches. Tu sais. Excuse-moi. Non, en fait, c'était là, en fait, regarde, le souci, c'est que, tu vois, si je mets un bloc comme ça, je tombe ouais. Comme ça, tu vois. Donc ça va pas, c'est pas symétrique avec en bas. Ouais. En revanche, si j'enlève, que je mets pas de trucs comme ça à ce niveau-là, j'arrive juste. Est-ce que ça fait cloche si je mets deux bois différents collés l'un contre l'autre? Après, en sachant que ça se verra pas, mais non, contre ça, fera pas cloche. Je peux rester comme ça alors. Ouais, tu peux rester comme ça. Au contraire, ça donne un certain charme. Ah bon, bah ça va, merci. Merci de m'avoir acheté des torches, Elvis. Il y a pas de quoi. À ton service. Dégage, dégage, oust, sale gosse. Alors, n'empêche, tu m'as tué, là. J'ai besoin de tes lanternes. Ouais, pas de soucis, le mec, il me jette des torches au calme. Elle était bonne, celle-là. C'est comme si que je dirais, le gars il viendrait, il dit
Hey, j'ai un souci avec mes rames. Ah, pas de problème, le mec il vient de lui ramener des pagaies. Tiens, voilà des rames. Exactement le même délire, tu sais. Ah, je vois très bien le topo. Alors que le gars il parlait des rames d'ordinateur, tu vois. Hein, putain. Par contre, là, faut que je me concentre un peu. Du coup. Parce que c'est bien beau de rire, mais faut se concentrer un minimum aussi. C'est pas mal. Ah putain. Bon, on a bien ri, c'est déjà pas mal. C'est sûr. Ah là là là. Elvis. On change pas une équipe qui gagne. Ah non, non, vaut mieux pas. Non, non. T'es fou, toi. On le change, c'est l'équipe, elle est morte là. Ah bah c'est sûr. Mine de rien, t'as vu, j'ai bien avancé au passage. Ah ouais. Bon, pour voir si ce sera exactement au même truc, je vais commencer par le même endroit, c'est-à-dire que... je vais faire ça comme ceci. What the fuck, j'ai eu un de ces bugs. À ce point-là? Ah ouais, j'ai mon écran qui a sauté d'un coup, quoi. Tiens. Je sais pas si ce que je viens de dire c'est compréhensible. Ouais, je vais te comprendre. Hein? Tu viens de me comprendre ou t'avais pas compris en fait? Ouais, je t'ai compris, t'inquiète. Excuse-moi, j'ai fourché. Ah mais non, je crois qu'on a bug là, on bug là, je crois. C'est pas fait qu'un comme peu. Les ordinateurs, on est en train de ramer. Alors, mine de rien, la maison elle est gigantesque hein, quand même. Tu m'étonnes. Quand tu regardes dans la vraie vie, t'as des maisons, elles sont énormes. Quand tu regardes, mais si t'essayes de reproduire une maison dans la vraie de la vraie vie dans le jeu, bah tu peux te dire que c'est déjà pas mal quoi. Ouais. Bon, après, quand tu regardes certaines bâtisses, même déjà quand c'est nous qui créons les plans, ben c'est que du calcul, hein, c'est mathématique, donc c'est vraiment ben, casse-couille, quoi. Donc, bon, après, quelqu'un qui est bon en construction, ça va. Pour lui, c'est simple. Bah, tu m'étonnes. Comme nous, par exemple, nous on est bon en construction. Bon, on dit pas qu'on est des as, hein. Mais on se démerde, quoi. C'est sûr. Mais ça nous arrive encore de galérer, hein. Tu m'étonnes. On n'est pas non plus infaillible. On n'est pas du tout des génies, encore. Non, c'est sûr. Malgré que moi, ça fait un moment que je joue à Minecraft. Je sais pas combien de temps que ça fait que toi tu y joues, mais moi ça fait déjà un bail.
Ça doit faire quoi? Un an et demi, quasiment deux, je pense. Ah oui, moi j'ai connu au tout début de Minecraft. Donc ça fait déjà un bail. Je te parle de ça. C'était bien avant. Ouais, même encore plus avant. Mais les trucs sous-marins n'existaient même pas encore. Ah ouais. Donc ça fait déjà un bail, quoi. Un rythme. Donc niveau construction, c'est pour ça aussi que je suis doué. Ouais, t'as plus d'expérience que moi encore. Ouais. Bah après, on apprend aussi sur les autres, hein. C'est Tu m'étonnes? nul n'est parfait, quoi. Celui qui me dit ouais, bah Minecraft, les constructions, c'est facile. Ouais, ça dépend quoi. Parce qu'il y a des constructions, ce n'est pas du tout facile. Largement. Regarde, déjà toi avec ta construction, t'en chies déjà. Faut dire ce qui est vrai. Pourtant, Oh, regarde, moi ça fait déjà pas mal d'expérience que j'en ai et je galère aussi avec ma construction, donc ah tu ouais, et vois. encore, je suis resté encore. Ouais, c'est vrai en plus. Par rapport à moi où je suis parti vraiment à l'opposé, quoi. C'est sûr. What the fuck? C'est pas grave, je vais suivre en bas. Voilà. Et voilà, moi le premier étage est fini. Je vais Là, venir voir où tu en es. je suis Ça ne te dérange justement. pas? Ça me dérange pas. Je suis justement en train de faire la piscine. T'es où derrière? Ouais. Ah oui, ah d'accord, t'as carrément tout modifié toi. Ouais. What? Plutôt pas mal, T'as hein? vu ce... Ouais, non, mais c'était... Ouais, mais je disais what, c'était pas par rapport à ça. C'est parce qu'il y avait un zombie, un bébé zombie sur un loup. C'était chelou. Mais ouais, non, si franchement, ta construction, elle est pas mal. Même si je préfère la mienne. Le mec Attention, enfoiré, tu sais. Non, franchement, si, elle est belle. Elle est belle. Bon, par contre, après... Après, c'est une question de préférence, tu vois. tu m'étonnes. Moi, pour la piscine, j'aurais pas mis que du verre, personnellement. Ouais, bah là, c'est juste un premier jet là que je suis en train de faire. Ouais, non, mais je sais bien, mais je veux dire, j'aurais pas mis que ça. Parce que là, en gros, on dirait plus une serre qu'autre chose. Mais tu m'étonnes. Mais ouais, non, franchement, non, franchement, c'est bien. C'est pour ça que quand je dis que Christophe, s'il voudra le refaire, je pense qu'il va galérer à la refaire, celle-là. C'est sûr. Parce que t'as vu, c'est tout est mathématique, t'as vu? Ah ouais, je l'avais bien remarqué, t'inquiète. Donc, je pense pas qu'il va y réussir en vrai. D'après toi, il va réussir à la reconstruire ou pas s'il la reconstruit? S'il essaye, il va en chier. Ah bah c'est clair. Mais réussir, il va y réussir ou pas? Il va peut-être y réussir, mais en faisant des petites erreurs. Bah des petites, ouais. Dis-toi que ce plan-là, ça fait déjà un moment que je l'ai dans la tête. Ah ouais? Ouais. Et j'ai pu enfin le mettre en œuvre. Et c'était pas sur ce plan-là que j'ai voulu le mettre en œuvre, c'était sur le manoir que je suis en train de construire. Bah en fait, si tu veux, le plan qu'il y a là, c'est à peu près approximatif, hein. Ouais. Le plan du manoir que je suis en train de faire sur la map, pour te donner un peu Ah ouais. un ordre d'idée. Mais c'est beaucoup plus différent. Ah bah tu m'étonnes. En vrai, c'est l'intérieur qui va se jouer entre les deux. Je m'en doute.
Et toi, t'en es où dans ta construction? Là, je suis en train de faire le plafond du premier étage. Ah, c'est pas du tout pareil. T'as pris d'autres blocs. Ah ouais. C'est toi qui viens de remettre, qui vient d'enlever la pluie? Non, c'est pas moi. Je sais même pas comment on fait. Non, c'est dans les paramètres de début. Putain, moi, de me dire que demain je dois aller à 9h chez Christophe. Oh. Bon, après, si je suis en retard, tant que je suis pas en retard pour la réunion, bon, c'est bon. Tu m'étonnes? Tant que je suis présent pour la réunion. Ouais, donc du coup voilà. Et n'empêche, j'ai fait trois accès. Ah, trois accès. Trois accès avec des escaliers. Ah ouais? Ouais, regarde. Fais mes deux dernières lignes et j'arrive. Accès d'escalier que j'ai fait un là, deux là et trois là. Ouais, ça fait trois, ouais, trois. Par contre, un truc que je viens de remarquer, et ça j'avais pas fait gaffe, parce que c'est bien beau, j'ai fait ça, ok, mais il va falloir que je fasse un système pour que ça fasse moins cloche. Pour Bah, ça tient pas par le Saint-Esprit. Ça tient pas par le Saint-Esprit. Bah ouais. Il faudra que je fasse des poutres de soutien pour faire Ah! tenir tout ça. Ouais. Parce que ça tient pas par le Saint-Esprit. C'est sûr. T'imagines le mec, il laisse comme ça. Par contre, attends, j'essaie de faire un truc. J'essaie de faire un truc, tu vas me dire si ça fait cloche ou non. Je peux vous rejoindre. Bah moi après je vais me déconnecter surtout. Après Elvis il fait ce qu'il veut mais. Ah ouais, après moi de même. Qu'est-ce que t'en penses comme ça fait cloche ou pas? Désolé. C'est pas grave. Faut que je me mette de vue vers le bas. Non, ça va encore. Ça lui rajoute du détail en plus. Ouais, ça lui rajoute du détail. Ouais, ça va. Bah, je te laisse lui répondre, Alana. Désolé, Anna, mais on finit juste quelques constructions et on se déconnecte. Ah ouais, Ouais. mon cher Elvis. Je ne dis pas le contraire. Ah, ça va faire du bien quand même d'aller se coucher. Ça, je te dis pas le contraire.
vitres. Désolé. Des barres. À mon avis, elle avait envie de jouer à Minecraft. La première vue. Bah, fallait venir plus tôt, Lana. T'es en retard. Ah ouais, Alice. Que veux-tu? Elle serait venue plus tôt. Elle aurait pu jouer avec nous. Bah, après, il nous faut dire aussi que depuis ce matin, tout à l'heure, on joue. Au bout d'un moment. Ça devient un barbe. Je sais pas toi si t'en as pas marre de jouer. Ça commence. Je te rassure moi si je commence à en avoir marre. C'est pour ça qu'il sera pas tard quand j'irai coucher. Poser quelques vitres, éventuellement à mettre la porte d'entrée du bas pour ce qui est de l'aménagement de la maison. Je ferai ça plus tard. Je pense que toi c'est pareil. C'est sûr. Bah déjà là on a déjà pas mal avancé quoi. À large. T'es où Elvis? Je suis en train d'aplatir un peu l'extérieur pour ma cour. Ah! Je te cherchais, je te trouvais pas, je suis merde, il est où lui? Toi c'est pareil, ça a bien avancé aussi. Mais d'après ce que je vois, t'as arrêté ta toiture, t'en as marre. Ouais, de toute façon, il reste plus grand chose à faire pour la toiture. Donc, je vais le voir un prochain coup. Bah, moi, j'ai posé les vitres. Qui dit les vitres dit maintenant de poser les portes. Ouais, tu m'étonnes. Voilà. Alors, qui dit porte, dit cette porte-là. Four ici.
Et voilà. Ah oui. T'as du monde sur ta toiture. Ah ouais. Trois araignées, un zombie. Je vénère par toi qu'il fasse une fête chimie. Une fête endiablée. Enfin, moi je dis ça, c'est pas mieux, hein. Des creepers, des Enderman, des chevaux, jusqu'à des villageois. Ouais, je pense que je devais faire un plus large, mais je le ferai pas plus large pour le grenier. Tu m'en diras pas. Voilà, alors... Comment tu vas, le constructeur de l'extrême? Oh.
Bon ben, si tu veux venir voir, tu peux venir voir, hein, avec les portes et tout posé. Finis ma petite allée et j'arrive. Voilà, j'arrive. Alors, Ouais, ça va, ça donne déjà bien. prochaine étape, ben, la toiture, commencer l'aménagement intérieur, et après je finis par l'aménagement extérieur, le plus compliqué à la fin. Tu m'étonnes? Je pense que toi tu vas faire pareil. De même. Donc du coup, montre ce que ça donne de loin. Ouais. Ça Mine de commence à rien. avoir de la gueule. Ouais. Bah, ta bâtisse elle est peut-être plus grosse que la mienne. Mais je pense qu'elles se valent toutes les deux. Tu m'étonnes? J'aime bien parce que t'as mis des briques alors que le mur il est déjà en briques. J'ai mis des... Christophe, il va croire que c'est toi qui as fait le mur. Du fait que moi j'ai pas de briques. On parle des escaliers, mais les escaliers, j'ai que ça sinon. Sinon le Tu reste, m'étonnes? j'ai pas de briques. Bon bah j'ai hâte quand même. Oh attends. Oh oui. Je veux faire ça comme ça. Et le pire c'est que ce sera une grande première. Ça y est, j'ai mon idée pour la toiture. Ça va, si tu l'as, ça va. Ça commencerait bien, mais vu l'heure qu'il est, je commence à être claqué. Ouais, faut mieux que tu fasses une prochaine fois avec les idées plus claires. Ouais. Tu vas l'appeler comment la partie là? Je l'ai appelé paranormal, en attendant que je trouve un nom plus mieux. Bon, ben moi en tout cas, je suis plutôt content de ma construction. M'étonne. Je pense que toi, c'est pareil. De même.